pour peser et mesurer l'assaisonnement du foie gras, utilisez la balance au gramme près. L'assaisonnement est composé de sel, poivre, 4 épices et sucre impalpable, S0. Il sera ajouté au porto, au cognac et au vin blanc moelleux. Sauternes, Rivesaltes ou encore Montbazillac, Sainte-Croix-du-Mont, etc. À 37 degrés pour tremper les foies une heure pour pouvoir les ramollir et les dévenir correctement. D'autre part, on prévoira le matériel pour réaliser un fond blanc de volaille qui sera ensuite conduit en consommé. Pendant que la volaille blanchit, prendre les lobes ramenés à température, les éponger et les déveiner. Séparer le petit lobe du gros. Ouvrir les lobes avec le dos du couteau pour faire apparaître les veines. Délicatement, le but est d'extraire les veines du lobe, si possible dans leur entièreté. Dans un souci d'économie, on passera les parures et morceaux avec veines au tamis. L'ensemble sera placé en marinade avec le vin blanc moelleux, le porto, l'assaisonnement et les lobes dévenés. Le foie gras ayant mariné une nuit, formez des boudins dans du film alimentaire en le reconstituant le mieux possible et en évitant les espaces vides. Disposez le tout sur un torchon, préalablement rincé. Façonnez le boudin en l'arrondissant le mieux possible à l'aide du drap tendu. Fermez soigneusement les deux extrémités.